Alors l'année dernière, en novembre, j'ai intégré le groupe pro et j'ai fait quelques bancs. Je me suis entraîné toute la fin de saison avec eux. Donc je me sens bien. Les joueurs expérimentés comme Laurent, Jimmy, Nico me parlent beaucoup. Sur l'aspect technique, bah, je me sens bien, j'ai la confiance du coach et j'essaye de donner le meilleur de moi-même sur les matchs. Bah, avant les matchs, il y a toujours une petite boule de stress. Mais après, quand je touche le premier ballon, ça s'enlève. Après, c'est du football, hein, ça reste du football. Mais ouais, toujours une petite appréhension qui nous permet de bien jouer. Le coach me positionne en milieu défensif. Mais j'aime bien percuter, j'aime bien prendre des risques, aller vers l'avant, ce qui m'a permis d'obtenir le penalty contre Saint-Étienne. Avant, sans vous mentir, j'étais pas trop récupération parce que je jouais plus haut sur le terrain. Mais depuis que je suis à Bordeaux, je joue en milieu défensif et c'est primordial pour un joueur qui joue en 6 de presser, d'obtenir, de récupérer les ballons, tout ça. Donc j'ai travaillé l'année dernière et cette année je le fais encore plus. Tous les ballons passent par le milieu. Donc oui, je me sens bien. Je dois travailler sur tous les niveaux, sur l'aspect physique, l'aspect technique. J'essaye de me donner à 100% à chaque entraînement. Moi, je suis en phase d'apprentissage. J'ai que 21 ans et j'essaie de travailler sur tous mes aspects négatifs et positifs et de donner le meilleur de moi-même. Moi, mes objectifs, je prends match par match. J'essaie de donner le meilleur de moi-même, j'essaie d'être performant, de rendre de la confiance du coach. Mais après, oui, c'est d'être, de grappiller le plus de minutes en Ligue 1 et pourquoi pas s'imposer.